Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation un truc et astuce. C'est comment réaliser une somme automatique sur une plage de données variables et couplée à une mise en forme conditionnelle sur cette même plage de données variables. Alors, on va voir différentes techniques. Donc, je dirais, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Tout dépend de vos affinités, de vos compétences sur Excel, en sachant qu'en plus, elles ne sont pas figées. Vous pourrez, je dirais, mixer les différentes techniques afin de réaliser celles que vous souhaitez. Donc, rien n'est fermé et vous pouvez très bien prendre une première partie de l'une, deuxième partie de l'autre, troisième partie d'une autre, afin de réaliser celle que vous souhaitez, qui vous trouverez effectivement, qui sera beaucoup plus simple pour vous ou beaucoup plus compréhensible. Donc, pour vous expliquer comment on va faire, ben, j'ai ici un premier tableau avec dans une colonne des mois, de janvier, février, mars jusqu'au mois de décembre. Deuxième colonne, CA, chiffre d'affaires. Donc, c'est les ventes réalisées par exemple par un commercial. Donc, chiffre d'affaires de janvier, février, mars jusqu'au mois de décembre. En dessous, une cellule vide où je souhaiterais faire le total suivant un certain nombre de mois que je vais indiquer dans un deuxième tableau. Vous voyez, somme sur X mois. Donc, X qui va représenter, par exemple, si je veux sur 3 mois, ben je mettrai 3 et du coup il fera la somme de janvier, février, mars, donc de C2 jusqu'à C4. Si je mets 9, il fera la somme automatiquement de janvier jusqu'à septembre, donc de C2 jusqu'à C10. Première petite remarque importante déjà, c'est que ici j'indique un certain nombre de mois et vous voyez que la ligne du mois de septembre est en 10, tout simplement parce que j'ai ici une en-tête de colonne, donc ça m'a décalé d'une cellule la référence de mes lignes. Donc janvier étant C2, eh bien septembre qui est le 9e mois étant C10. Alors pour commencer, donc je vais me mettre dans la cellule où je souhaite avoir le total. Je mets comme d'habitude égal pour passer en mode calcul fonction. Je vais utiliser une fonction simple somme. J'ouvre la parenthèse. Par contre, maintenant, ce qui est à l'intérieur de la fonction somme n'est pas aussi classique, vu que c'est une plage de données que Excel ou moi, enfin dans un premier temps que je vais écrire, et qu'en plus il y aura une partie variable vu que je dois mettre le nombre de mois et donc la plage va varier. Donc déjà, je vais utiliser dans un premier temps une fonction qui s'appelle indirect. Alors cette fonction indirect, comme vous pouvez voir ici, elle donne la référence spécifiée, donc la plage de cellules spécifiée, par une chaîne de caractères, donc par ce qu'on va écrire. Donc indirect, j'ouvre la parenthèse, et maintenant je vais indiquer la référence de cette fameuse plage. Alors elle commence toujours en C2. Alors par contre, attention, c'est, je vais utiliser ici une astuce hein, qui est une astuce comme les écrivains. Quand un écrivain veut faire parler un de ses personnages dans un livre, il va utiliser des guillemets. Eh bien moi, si je veux que Excel écrit quelque chose dans une formule, je vais utiliser la même astuce, des guillemets. Donc je vais lui mettre guillemets, C2, oui, puisque je commence toujours en janvier, donc C2. 2 points pour dire jusqu'à C. Par contre, ici, c'est la partie variable. Puisque, je dirais, je peux lui indiquer 9 mois, donc ça s'arrête en C10, mais si je lui mets 3 mois, ça s'arrête en C4. Donc C et la partie variable. Alors, pour coupler cette partie, je dirais, fixe avec cette partie variable, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle concaténer, où moi j'utilise personnellement le symbole esperluette, ou encore appelé et commercial. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la fonction concaténer, vous pouvez aller visualiser la vidéo formation correspondant à concaténer. Donc, et F1, mais ne pas oublier de rajouter plus 1 à cause de l'entête. Donc, plus 1. Voilà, donc ma partie fixe, la partie variable. Je ferme une première parenthèse pour indirect, la rouge, et une deuxième parenthèse, la noire de somme. J'appuie sur Entrée. Il me sort un nombre. Donc, je vais, pour vérifier, je vais mettre 1 déjà. Et je vois que il fait bien la somme de janvier tout seul. Donc, j'ai le nombre de janvier. Si je mets 4. Alors, pour être sûr, je vais mettre ici à côté et je vais mettre une somme automatique de janvier jusqu'à décembre.
Voilà, donc c'est 1 600 661. Donc si je mets 12, super, vous voyez que j'ai le même nombre. Donc je ne me suis pas trompé. Donc voilà, au moins je sais que ma somme automatique sur plage variable fonctionne bien. Maintenant, je dois faire la mise en forme conditionnelle. Alors, on va commencer de manière simple, hein, mais efficace. Si je me mets sur la première cellule, dans l'onglet Accueil, je me rends sur Mise en forme conditionnelle, je clique dessus, Nouvelle règle, et je vais utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, je me mets ici, et quand F1 est égal à 1, format, et je vais utiliser par exemple, voilà, du bleu. Je sélectionne deux cellules. Je refais toujours dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer. Je clique dans la zone de formule et F1 est égal à 2. Format bleu. Alors bien sûr, je pourrais changer de couleur à chaque fois, c'est-à-dire pour janvier une couleur, pour février, janvier-février une autre couleur, janvier-février-mars une autre couleur, etc. jusqu'au mois de décembre. Donc j'irai faire un système d'arc-en-ciel qui fait que visuellement, déjà, je sais sur combien de mois je suis, même par rapport aux couleurs. Ça serait, j'irais, possible de le faire aussi. Donc, je clique sur OK. Alors maintenant, ce que je vais utiliser ici, c'est gérer les règles. Et maintenant, je vais pouvoir faire nouvelle règle. Toujours pareil, si F1 est égal à 3 en bleu, ne pas oublier. Voilà. OK. Et donc, je vais modifier C2 à C4. Appliquer. Nouvelle règle. Utiliser toujours une formule. Je clique dans la zone de formule. F1 est égal à 4. Format bleu. OK. Et je vais modifier. S'applique jusqu'à C5. Appliquer. Et bien sûr, cela, je vais m'arrêter là, moi personnellement. Mais bien sûr, il faudrait continuer pour aller de janvier jusqu'à décembre. Donc il me faudrait 12 règles. Je valide. Et pour vérifier, ben, je vais mettre ici un mois. Et vous voyez que j'ai le mois de... enfin, le CA de janvier est en bleu. Si je mets 2 mois, les 2 mois qui sont passés, 3 mois, 4 mois, et vous voyez, au fur et à mesure, donc la mise en forme conditionnelle s'adapte à ce que j'ai. Alors c'est pas mal, c'est vrai, hein, c'est simple, c'est au moins c'est, je dirais, c'est simple et c'est une manière sûre, hein, c'est un peu lourd, mais pourquoi pas. Et par contre, le problème, c'est que si je mets 13, eh bien, j'ai ce qu'on appelle une erreur de référence circulaire, c'est que je souhaite faire la somme de janvier, mais jusqu'à C14, donc là où il y a le total. Donc du coup, ben, ça fait une référence circulaire puisque je souhaite faire la somme de tous ces nombres et mettre le résultat dans une cellule qui fait partie de la plage de cellules où je souhaite faire la somme. Donc une erreur qu'on dit circulaire, mais je peux très bien aussi mettre 15. Et vous voyez, donc il ne se passe rien. Donc on va voir comment régler ce problème et on va voir aussi une nouvelle méthode, cette fois-ci en utilisant une fonction décalée. Donc. Alors, on va déjà régler le problème, hein. Ben, je vais utiliser, donc ici, je vais me mettre dans F1, me rendre dans Données, et je vais utiliser une liste déroulante avec validation de données. Donc, je clique dessus, Autoriser tous, je vais utiliser Liste. Là aussi, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la validation de données, je vous propose d'aller donc regarder la vidéo formation correspondant justement la validation de données. Donc liste. Alors ici j'ai une solution hein, simple, c'est d'écrire 1, point virgule, 2, point virgule, 3, point virgule, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Ou sinon, ce que je peux très bien faire, c'est d'utiliser donc dans cette cellule qui
Pour l'instant, cette plage de cellules est vide, mais on va la remplir. Donc, d'utiliser cette plage de cellules. Et dans cette plage de cellules, je vais marquer pour janvier 1. Je vais recopier jusqu'à décembre. Et je vais, en cliquant sur l'option de recopie, incrémenter une série. Voilà, de 1 jusqu'à 12. Et maintenant, si je vais dans Somme sur, j'ai une petite flèche et vous voyez que j'ai une liste déroulante où je peux lui dire sur 5 mois ou sur 12 mois ou sur 7 mois. Bien. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il nous faut, ben, c'est d'utiliser cette fameuse fonction décalée. Alors, je vais coupler ma fonction décalée avec, ici, dans Formule, donner un nom à une plage de cellules. Donc, gestionnaire, nouveau. Nom, on va marquer plage-moi. Enfin, tirer du 8. Voilà, moi. Référence. Alors, référence. Ici, on va utiliser justement donc une fonction décalée. Égale décalé. Et j'ouvre la parenthèse. Décalé. Et je vais utiliser. Donc, des références absolues, donc dollar C, dollar 2, point virgule, donc ça c'est mon origine, 0, 0, voilà, et ensuite, point virgule, dollar F, dollar 1, point virgule 1. Voilà. Je vais valider. Je vais fermer. Alors ici, il m'a mis le nom des références des lignes, mais ce n'est pas forcément très utile. Pas des lignes, pardon, du classeur, mais ce n'est pas très utile. Je pourrais très bien effacer dans ma formule ici les noms de mes feuilles décalées. Je ferme. Alors la fonction décalée, juste comme cela. Donc vous voyez, ça donne une référence à une plage dont le nombre de colonnes et de lignes est spécifié dans une cellule ou une plage de cellules. Donc je double-clique, je fais un FX et vous voyez ici, je dois mettre la référence. Donc j'avais mis C2 comme référence. Nombre de lignes vers le haut ou vers le bas dont la cellule supérieure gauche de la référence renvoyée doit être décalée. Donc 0, moi je ne vais pas la décaler. Pas de ligne, pas de colonne. Par contre, ce que je vais faire, c'est la hauteur et la hauteur en nombre de lignes attendues pour le résultat. Celle-ci est égale à ref si omise. Donc moi ici, c'était 7, donc je vais décaler de 7 lignes. Et en largeur, c'est le nombre de colonnes, donc 0, puisque je reste sur toujours la même colonne. Et maintenant, je peux écrire égale somme et de ma plage. Donc je vais utiliser le nom de la plage de cellules. Plage, moi. Et je ferme. Et je valide. Voilà. Donc on vérifie avec 1. On vérifie avec 12. J'ai bien toujours les mêmes résultats comme tout à l'heure. Par contre, ici, si quelqu'un a envie d'écrire 13, ce n'est pas possible. C'est une erreur. Donc déjà, ça bloque cette possibilité-là. Et puis après, ben, je vais tout simplement ici faire une recopie, reproduire ma mise en forme. Voilà. Donc, si je mets un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc voilà une des possibilités. Ce qui paraît pas trop mal. Autre solution, plutôt que d'utiliser éventuellement, donc je vous rappelle ici, données, validation de données pour faire cette liste déroulante, on peut très bien utiliser une autre méthode. Peut utiliser une autre méthode. Alors, j'ai besoin par contre ici d'avoir l'onglet développeur. Donc, j'ai fait un clic droit dans le ruban.
personnaliser le ruban et je vais cocher développeur. Je fais OK. Je vais me rendre dans l'onglet développeur et je vais insérer ici zone de liste déroulante. Voilà, je fais un clic droit, format de contrôle, plage d'entrée, donc les mois, la cellule liée, donc là où je vais avoir l'indication, et je fais OK. Avantage, janvier à avril, et donc je peux, si je le souhaite, donc je vais copier ma fonction somme indirecte que je vais coller ici. Voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Je retourne sur janvier. Je retourne sur décembre. Je vais réduire un peu la zone parce que on voit que c'est un peu grand. Voilà. Et je pourrais bien sûr ici inscrire voilà, quel est le dernier mois, je pourrais marquer une petite information. Et toujours pareil, je peux recopier, donc reproduire la mise en forme afin d'avoir ici, si je mets à côté, voilà, février, mars, avril. Autre solution possible, ben c'est de mettre sous forme de tableau. Donc sous forme de tableau, je n'ai pas besoin de la ligne totale, donc je l'efface. Je n'ai pas besoin non plus de ce petit tableau ici, donc je l'efface. Alors, je suis dans l'onglet accueil, et dans l'onglet accueil, je vais aller me rendre dans mettre sous forme de tableau. Je vais cliquer, et je vais mettre par exemple, voilà, ici, ce style. Donc je vérifie bien que j'ai tout mon tableau qui est sélectionné. Que mon tableau comporte bien des en-têtes, oui. Donc je clique, voilà. Ici au lieu de marquer colonne, je vais marquer moi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici dans l'onglet outils de tableau qui est apparu depuis que j'ai un tableau. Donc là aussi, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les tableaux, je vous conseille d'aller visualiser la vidéo formation correspondant au tableau. Je vais cliquer sur ligne totale. Voilà. Donc j'ai la ligne totale. Et pour faire une mise en forme conditionnelle, ben, je vais tout simplement sélectionner mes mois de janvier jusqu'à décembre. Et je vais me rendre dans l'onglet accueil, mise en forme conditionnelle. Alors ici, je vais m'amuser, je vais faire beaucoup plus simple. Barre de données. Et par exemple, je vais mettre des barres de données. Et du coup, ici, par contre, c'est un peu différent, c'est que je peux, par un filtre, filtrer. Alors, vous voyez que mes mois ne sont pas dans l'ordre. Mais je peux filtrer. Alors, si jamais ça vous gêne d'avoir ici les mois qui ne sont pas dans l'ordre, on va utiliser une petite astuce. Donc, je vais effacer. Voilà. Ici, je vais marquer, par exemple, 01/01/2018. Je fais entrer et je vais incrémenter. Voilà. Sauf que je ne vais pas faire une incrémentation par jour, mais je vais faire une incrémentation par mois. Donc je vais cliquer sur les options de recopie et je vais sélectionner incrémenter les mois. Voilà, donc j'ai incrémenté ici les mois. Donc du 1er janvier jusqu'au 1er décembre. Par contre, le format date, je vais le modifier. Alors, si je vais voir dans les dates, ici, je cherche juste le mois. Je ne le trouve pas. Donc, je vais me rendre dans Personnaliser. Et pour avoir juste les mois, je vais effacer ici Type. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, M. Et j'appuie sur OK. Voilà. Et comme ça, j'ai bien des dates avec des mois. Et maintenant, si je clique ici,
Vous voyez que j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et dans mes filtres chronologiques, si j'ai envie, je peux faire toutes les dates. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. Et vous voyez que j'ai la mise en forme conditionnelle, qui apparaît. Et j'ai ici le total. Donc je peux choisir comme j'ai envie. Donc si j'ai envie d'avoir effectivement que mai, janvier, février, mars, voilà, 456 000 pour bien vérifier qu'on a bien le même nombre. Je me mets sur mars, 456 600, donc j'ai bien le même résultat. Donc ça c'est bon. Donc voilà, manière simple et autre manière effectivement pour pouvoir réaliser. Maintenant nous allons le faire en VBA. Alors pour faire en VBA, nous allons voir une nouvelle méthode hein, pour pas avoir de difficultés. Alors cette méthode est relativement simple, il suffit simplement d'utiliser l'enregistreur de macro et de modifier le code. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet développeur et on va enregistrer une macro. Cette macro, on va l'appeler par exemple mise en forme conditionnelle, une petite description, mise en forme conditionnel sur plage variable par exemple. Donc je vais appuyer sur OK et je vais sélectionner ma plage des cellules, aller dans accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On utilise toujours utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et la formule par exemple ça sera F1 égale 12. Puis on va mettre un format personnalisé. Par exemple, voilà. Et j'enregistre donc la macro en appuyant sur le bouton d'arrêt. Si je mets 12, on voit effectivement que ça fonctionne bien. Alors, je vais maintenant aller chercher ma formule de somme. On va prendre celle-là par exemple. Je vais la recopier, la coller ici. Voilà. Donc ici, on va mettre 12 pour l'instant. Et on va aller voir le code de ma macro. Je vais dans l'onglet développeur. Je clique sur Visual Basic. Je vais aller dans ici Module, Module 1. Je double-clique et je vois le code de ma macro. Voici le code de la macro. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ben, il va falloir maintenant le modifier pour l'adapter. Alors, déjà, première chose, il va falloir... Donc j'efface ici. Il va falloir déclarer une variable, on va l'appeler dernière ligne, qui sera justement donc la dernière ligne de ma mise en forme. Donc je vais l'appeler dernière ligne. Donc, et pour la déclarer, nous allons écrire dim dernière ligne. Et comme c'est pas un gros chiffre, on va utiliser le format byte. Voilà. Et pour aller chercher dernière ligne, donc dernière ligne égale bah, le contenu de la cellule qui se trouve en première ligne. Colonne 6. Voilà. Ici, donc, ça, c'est la sélection range, la sélection de mes cellules, donc de C2 à C13, hein, si vous regardez. Donc, ici, ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bien la sixième colonne, première ligne. Ici, c'est de C2 à C13. Donc, nous, dans notre code, on va modifier ici. Donc de C2 jusqu'à
Par contre, on va effacer le 13. Et on va utiliser, comme on a fait tout à l'heure, concaténer avec esperluette. Dernière ligne. Et ne pas oublier le plus 1. Pour rappel, le plus 1 vient tout simplement ici de l'entête qui me décale mes lignes, donc d'une ligne. Voilà. Autre chose aussi, on voit ici F1 est égal à 12. Eh bien nous, on va aller rechercher puisqu'on a indiqué dernière ligne. Alors bien sûr, ne pas oublier de rajouter des commentaires. Alors je vais en rajouter juste quelques-uns. Déclaration de la variable pour la dernière ligne. Ah oui, j'ai... Voilà, c'est un apostrophe. Ici, mettre le contenu de la cellule F1 dans dernière ligne. Modification de la plage de cellule avec la variable dernière ligne plus 1 pour l'entête de colonne, etc., etc. En sachant que toute cette partie-là, ce n'est pas moi qui vous avez vu taper, mais simplement l'enregistreur. Alors, je vais lancer comme ça. Il va avoir une petite erreur, mais c'est pas grave. Hein. Il faut bien voir ce qui va se passer. Donc, je vais fermer. Et donc, je vais arriver. Et je vais tester avec 5. C'est bon, ça efface. Je vais lancer ma macro. Alors, ici, ah oui, normal, j'ai oublié un E. Voilà, petite erreur de frappe. Donc, macro, exécuter dernière ligne, super simple. Si je mets 8, macro, exécuter, il m'en met 8. Si j'en mets 3, macro, exécuter, ah, ça va pas. Effectivement, parce que si je dois, je dirais, là j'avais fait dans un sens donc où j'allais augmenter les chiffres de somme sur le mois, donc si je passe de 3 mois à 5 mois à 8 mois, ça va bien. Par contre, si je passe de 8 à 3, ça va pas. Donc, il va falloir effacer ma mise en forme. Pour cela, je vais retourner dans mon code visuel basique. Et je vais rajouter une ligne de code afin de pouvoir effacer. Donc, la cellule. Point. Format, condition, voilà, point, et je vais l'effacer. Donc, les cellules avec un format conditionnel, je l'efface. Je vais rajouter un petit commentaire. Effacer l'ancienne mise en forme. Alors bien sûr, très important de mettre des commentaires et essayer d'en mettre un maximum, hein, tout simplement parce que le jour où je devrais reprendre ce code pour
le modifier pour que ce soit quelqu'un qui souhaite mieux comprendre, eh bien, le fait d'avoir chaque fois d'un mettre des petits commentaires, etc., etc., va me permettre de mieux me rappeler dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans ce qui a été fait. Je ferme. Et maintenant, j'essaye à nouveau. C'est pas ça que je voulais faire, c'est macro. Exécuter, ça marche bien. Je mets 8 pour voir. Alors, un peu pénible quand même, hein. Que vous pouvez voir chaque fois de aller dans l'onglet développeur, cliquer sur macro pour exécuter. On va faire quelque chose. On va rajouter ici insérer et je vais mettre un bouton. Voilà. Bouton et ce bouton. Je lui affecte la macro MFC. Voilà. Je vais lui mettre MFC juste pour, voilà, pour mettre du texte. Et maintenant, si je clique parfait, si je mets 11, parfait. Si je mets 5, parfait. Donc comme vous pouvez voir, ici un code VBA qui va me permettre de faire une mise en forme conditionnelle. Comme je le souhaite sur plage variable, un petit bouton avec la macro qui me permet de rester dans accueil, de même pas avoir l'onglet développeur, donc je peux le remasquer, personnaliser le ruban. J'enlève l'onglet développeur afin que mes collègues ne soient pas perturbés par cet onglet développeur. Et du coup, je peux sans problème, grâce à ce petit bouton, réaliser ma macro sans problème. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.